Pierre Billard vous présente l'anthologie du mystère. Bonsoir, Yves. Daniel? Oui, Daniel. Tu me dis pas d'entrer? Tu y tiens? Crois-tu que j'aurais fait 150 km si je n'y tenais pas? Bon, dans ce cas, je vais allumer dans le salon, viens. Mais t'es trempé, toi? Il pleut à torrent. Je suis frigorifié. Donne-moi quelque chose à boire. Qu'est-ce que tu veux, du gin? Bon, si tu en as sous la main. Oui. Merci. Pourquoi es-tu venu, Daniel? Pour te parler. Si j'en ai pas envie. Yves. Nous sommes amis, non? Bien sûr. Depuis notre enfance, je crois bien que nous ne sommes jamais restés une semaine sans nous voir. Jusqu'à il y a 3 mois. C'est passé beaucoup de choses depuis 3 mois. Tiens, on t'en va. Merci. Tu ne bois pas? Non. J'ai suivi l'affaire Legendre à la radio. Il paraît que ta plaidoirie était très brillante. Le dossier était bon. L'enquête a été bâclée. L'accusation a mal choisi ses témoins. Legendre est très jeune, presque un gosse. Il a une bonne tête. En plus, il était orphelin à 3 ans. On l'a confié à l'assistance publique. Il se souvient même pas de ses parents, alors j'ai joué là-dessus. Les jurés sont sentimentaux, ça marche toujours. N'empêche que le procureur réclamait sa tête. C'est son métier. Et le tien, d'obtenir l'acquittement. Exact. Le gendre est libre, donc j'ai gagné. Même si ça fait une crapule de plus sur le pavé de Paris. Une crapule? Tu crois qu'il était coupable? Comment veux-tu que je le sache? Oh, il m'a juré qu'il était innocent, bien sûr. Eh bien alors? Ben alors, si je devais croire tout ce que me disent mes clients. Je me souviens du temps où tu refusais de défendre un accusé si tu n'étais pas sûr de son innocence. T'as l'air d'avoir froid? Un peu, oui. Bon, ben, enlève ta veste, elle est trempée. Tiens. Tiens, tu vas mettre ce chandail. Hein? Merci. J'ai vu Mercier la semaine dernière. Nous avons parlé de toi. Vous avez dû vous amuser. Hier, j'ai rencontré Gilbert. Il m'a dit que... T'as dit que je ne lui avais pas donné signe de vie depuis 3 mois. Ni à Mercier non plus. Ni à toi, ni à personne. En fait, je n'ai revu aucun de mes amis. Je m'en suis aperçu. Bon, c'est pour ça que tu es venu? Oui. Je ne savais pas curieux à ce point-là. Qu'est-ce que la curiosité vient faire là-dedans? Allons, vous en creviez d'envie, tous. Eh ben, vas-y, regarde-moi, là. Regarde-moi bien. Et va leur raconter à quoi ça ressemble, un homme que sa femme a plaqué. Tu as fini de faire l'imbécile. Parce que, naturellement, tout le monde le sait. Oh, j'imagine assez bien les plaisanteries auxquelles vous avez dû vous livrer sur mon compte. Tu ferais mieux de boire un verre, toi aussi. Tu en as besoin. Oui, je crois. T'as eu de la chance de me trouver à la châtaignerie ce soir. J'étais pas revenu depuis. Je savais que tu serais ici aujourd'hui. Vous le savez comment?
Ta secrétaire me l'a dit. Odile ? Je lui ai téléphoné plusieurs fois ces dernières semaines. Pourquoi faire ? Pour avoir de tes nouvelles. Elle se fait beaucoup de soucis pour toi. Il paraît que tu travailles jour et nuit et elle a peur que tu ne tombes malade. Quoi se mêle-t-elle ? Mon cher Yves, tu ne te rends peut-être pas compte qu'il y a de par le monde un certain nombre de gens qui ont de l'affection pour toi. Même si depuis 3 mois tu es devenu quelque peu misanthrope. Toujours est-il que ta secrétaire m'a téléphoné hier pour me dire que tu avais l'intention de passer le week-end de la Châtaignade. Et alors tu as pensé que j'avais enfin levé la barrière, tu l'as cru et non, tu t'es précipité. Non, ne commence pas, s'il te plaît, Yves. Tu veux savoir pourquoi je suis venu ici aujourd'hui ? Moi ? Non, ça m'est égal. Je vais te le dire quand même. L'affaire des Moulins vient devant la cour mercredi prochain. Alors je dois revoir ma plaidoirie et la mettre au point. Pour ça, j'ai besoin d'une tranquillité absolue pendant 2 jours. Voilà. Voilà pourquoi je suis venu. Il n'y a pas d'autre raison. Et surtout pas sentimentale, ça tu peux me croire. Je te crois. Pourquoi te défends-tu avec cette énergie ? Je ne t'ai pas accusé. Alors comme veux-tu, Daniel ? T'aider. Merci, j'en ai pas besoin. Si. Bon. Alors j'arriverai pas à me débarrasser de toi. Je ne le pense pas. À moins que... Oui. À moins que tu ne veuilles vraiment que je te laisse seul. Non, Daniel. T'as bien fait de venir. Toi. Ah, si ça avait été un autre, je l'aurais peut-être pas laissé entrer. Mais toi, c'est différent. Je te connais depuis toujours, tu es mon plus vieil ami. Mon seul ami, je crois bien. Je le crois aussi. Sinon, je ne serais pas ici ce soir. Merci. Mais tu as quand même attendu 3 mois pour venir. Oh, je pense que tu avais besoin d'être seul. Oui, et encore plus que tu ne peux l'imaginer. Mais maintenant, t'as raison, je ne peux pas continuer comme ça. Maintenant, j'ai besoin de parler à quelqu'un qui puisse me comprendre et qui ne se moque pas de moi. Toi, ça va, les affaires ? Plutôt calme en ce moment. Oui, on parle de crise. Il ne faut pas exagérer. Tu passes la nuit ici ? Je ne sais pas encore. Ah ben, la chambre d'amis est à ta disposition, comme toujours. Je te remercie. Nous verrons tout à l'heure, ça dépendra. De quoi ? De toi. En fait, c'est toi qui décideras si je dois rester. Comment vont tes parents ? Bien, merci. Attends, ton verre est vide. Ah, c'est plus difficile que je le pensais. J'ai envie de parler, puis en même temps, je... Tu préfères que je te pose des questions ? Oh non. D'ailleurs, que pourrais-tu me demander ? Que s'est-il passé ? Pourquoi est-elle partie ? C'est bien la seule question que tu pourrais poser. Alors je te la pose. Pourquoi n'est-elle plus là ? Qu'est-il passé, Yves ? Rien. Rien. J'avais 10 ans de plus qu'elle, c'est tout. Au début, ça n'avait pas d'importance. Nous nous aimions. Je ne voyais pas tout ce qui nous séparait. Puis alors, les années ont passé, le fossé s'est creusé. Moi, je ne m'en rendais pas compte, je l'aimais toujours. Elle aussi t'aimait ? Oui, comme un grand frère. Elle avait confiance en moi, elle me respectait, mais... Ce n'était plus de l'amour. Toi, tu peux pas comprendre, t'es pas marié. Je sais pas ce que c'est que de sentir quelqu'un à côté de vous, quelqu'un que l'on aime, mais qui s'éloigne peu à peu, qui devient un étranger. Vous disputiez ? Même pas. Pas de scène, pas de cri, non, c'était pire. Il n'y avait plus rien. Nous n'avions plus rien à nous dire, tu comprends ? Des étrangers. C'était une sensation horrible.
Voilà, puis finalement, un beau soir, sans presque nous en rendre compte, nous en sommes arrivés à parler d'une éventuelle séparation. Qui en a parlé le premier ? Elle ? Enfin, ou moi ? Mais quelle importance ? C'était quand ? L'hiver dernier. Hein ? Avant que vous ne partiez au sport d'hiver ? Oui. Ces quelques jours de vacances, c'était notre dernière chance. Je me souviens, c'était... Mais nous avons dîné ensemble. Le soir de votre retour, vous aviez l'air parfaitement heureux. Je ne vous avais pas vu comme ça depuis longtemps. Oui. Le soir de notre retour, nous étions encore un peu en vacances. Pendant ces 10 jours, nous avions été tout le temps ensemble. Nous ne nous étions pas quittés. Nous avions l'impression de refaire connaissance. Une nouvelle lune de miel, 10 ans après notre mariage. Je croyais que tout était sauvé. Mais quand nous sommes rentrés à Paris, quand nous nous sommes retrouvés dans notre cadre habituel, avec nos habitudes, nos horaires, c'était pire qu'avant. Le mur était de nouveau entre nous et de plus en plus épais chaque jour. Elle s'éloignait, j'arrivais pas à la retenir. Dieu sait pourtant si j'essayais. Oui, je sais, c'est ridicule, hein, un homme de mon âge. Mais pourtant, c'est comme ça, je l'aimais. Et c'est pour ça que j'ai voulu tout essayer. J'attendais, je sais pas, moi, un miracle. Puis elle aussi, elle essayait, mais sans y croire. Ça nous amenait comme ça jusqu'après Pâques. Et à ce moment-là, nous savions tous les deux qu'il fallait prendre une décision. Fait quoi, on divorce pas comme ça parce qu'on est fatigué de vivre ensemble, hein? Alors, une fois de plus, j'ai essayé de gagner du temps, mais en plaide mal sa propre cause. Oh, pour un avocat d'assises, j'ai pas été brillant. N'importe lequel de mes stagiaires aurait été plus éloquent. Ouais. Je lui ai parlé longuement, toute une nuit. Je l'ai presque supplié de rester avec moi. Il disait rien, il écoutait. Alors, j'ai fini par me taire à bout d'arguments. Alors, elle a répondu que nous avions besoin d'être seuls, chacun de nous, pour réfléchir. Elle a décidé de s'installer ici, à la Châtaigneraie, et d'y rester tout le mois de juin. Elle aimait s'occuper des fleurs du jardin. Moi, je viendrai seulement en fin de semaine, comme un invité. Nous ne parlerions de rien. J'ai accepté. Elle est partie un lundi matin. Et moi, pendant toute la semaine, j'ai attendu le moment de la rejoindre. Tu te souviens de cette fille dont nous étions amoureux, toi et moi, au collège ? Nous ne faisions plus rien, nous ne pensions qu'à elle. Ben, c'était pareil. Pendant toute cette semaine, j'ai attendu. J'ai attendu le vendredi, le moment où je la reverrai. Je comptais les heures. Oui, moi, à 42 ans, je me conduisais comme si j'en avais 18. Le premier jour, je lui ai téléphoné 3 fois. C'était elle qui a dû me demander d'arrêter. Puis le vendredi est arrivé. Enfin, j'ai quitté Paris de très bonne heure. À 10 kilomètres d'ici, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop tôt. Je lui avais dit que j'arriverais pour dîner. Il était à peine 4 heures. Non, j'ai roulé au hasard n'importe où. J'ai acheté des fleurs à Pithiviers, des bonbons à Orléans. Je me préparais à vivre la plus grande fête de mon existence. J'étais sûr que tout allait s'arranger. Quand me voyant arriver... Quel idiot. Ah, la fête, elle était plutôt ratée. Parce que quand je suis arrivé, la maison, elle était vide. Tu entends, Daniel ? Vide. Je suis monté dans sa chambre, j'ai ouvert l'armoire. Des cintres. Une rangée de cintres, sans rien dessus. Elle était partie, comme ça, sans un mot, sans une explication. Sans un mot ? J'ai entendu parler d'une lettre. Ah, plus tard. Mais exactement comme la police l'avait prévu. La police ? Tu as prévenu la police ? Ben oui. Je savais même plus ce que je faisais, moi. On m'a envoyé au service des recherches dans l'intérêt des familles. Intérêt des familles. C'est joli, non ? Ah, ils ont été très gentils. Ils m'ont très bien reçu. Ils m'ont demandé si nous étions mariés, si ma femme était majeure. Quand j'ai répondu qu'elle avait 32 ans,
Tu ne peux pas d'oublier leur petit sourire goguenard. Et pourtant, ils ont eu la délicatesse de ne pas parler une seule fois de fugue. Ils m'ont conseillé de ne pas m'inquiéter, qu'il ne lui était certainement rien arrivé. Ils m'ont affirmé que j'aurais de ses nouvelles très vite. Que je recevrai une lettre 2 ou 3 jours plus tard. Ça se passe toujours comme ça, paraît-il. Ben, ils avaient raison. Elle t'a écrit? Oui, la lettre est arrivée le mardi matin, postée à Orly. Tu l'as gardée? Non. Je l'ai brûlée. Dans un moment de colère, avec un paquet de photographies et d'autres lettres vieilles de 10 ans. Pourquoi? Tu veux savoir ce qu'elle disait, la lettre? Peu importe. Ben, c'était une lettre froide, impersonnelle. Elle partait pour toujours. Nous ne nous reverrions jamais. Elle me demandait de ne pas essayer de la retrouver. Bien entendu, le divorce serait prononcé à ses torts puisqu'elle avait quitté le domicile conjugal. Enfin, tu vois le genre. Eh ben voilà, Daniel. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que tu t'es enfermé pendant 3 mois. Oui. Je pouvais pas cacher qu'elle m'avait quitté. Et alors? Oh, les maris abandonnés, tu sais, ça fait plutôt rire. Je n'aime pas me rendre ridicule. Tu as demandé le divorce? Pourquoi faire? J'ai pas l'intention de me remarier. Et me voilà de nouveau célibataire. Comme toi, Daniel. Ça n'aura jamais, non? J'ai l'impression d'être revenu au temps de la fac. Je vais recommencer à courir les filles. Nous discuterons de nouveau jusqu'à 2 heures du matin dans le bistrot du quartier latin. Nous reconstruirons le monde entre 2 cours de droit. Allons, Daniel, donne-moi ton verre et buvons à mon célibat retrouvé, à notre nouvelle jeunesse. Tu sais, Daniel, c'est la première fois que j'en parle. Faut-il que j'aie confiance en toi? Je me demande ce que les gens ont imaginé quand ils ont su qu'elle n'était plus là. À peu près la même chose que toi. Une histoire assez banale, somme toute. Et fausse. Fausse? Pourquoi dis-tu cela? Voyons, Yves. Ce que tu viens de me raconter, c'est la version, disons, officielle à l'usage de tes relations, de la police éventuellement, pour expliquer la disparition de ta femme. Mais ce n'est pas la vérité. Non? Non. Non, je la connaissais bien. Je la comprenais. Peut-être mieux que tu ne l'as jamais fait. Écoute, je t'en prie, Daniel, tu ne vas pas me faire une scène de jalousie, hein? Non, pas toi, pas maintenant. Oui, ça, je sais, tu la connaissais avant moi. À l'époque, vous sortiez beaucoup ensemble. Tu me l'as présentée, je lui ai fait la cour, c'est moi qui l'ai épousée. Bon, bah, c'est la vie, hein? Je veux bien admettre que ça a été un peu vexant pour toi, mais c'est tout. Tu ne l'aimais pas. Elle te plaisait, mais tu ne l'aimais pas. Parce que si tu l'avais aimée, tu n'aurais pas accepté. Même si je l'avais aimée, c'est toi qu'elle avait choisi. Je n'avais pas accepté ni refusé. C'était ainsi. Mais non, mais non, mais non. Si tu l'avais aimée, tu te serais battu pour la garder. Tu n'aurais pas accepté d'être mon témoin quand nous sommes mariés. Tu ne serais pas... Je sais pas, moi, mais je peux pas te dire. En fait. Ton attitude aurait été différente, voyons, pendant ces 10 ans. Encore une fois, elle t'avait choisi. Toi. Était-ce une raison pour que je cesse de te voir, toi qui es mon meilleur ami depuis toujours? Devions-nous nous brouiller parce qu'elle t'avait épousé? D'ailleurs, à quoi bon revenir sur le passé? Ce que j'affirme simplement, c'est que je la connaissais bien. Et que la connaissance, je n'ai jamais cru. Et je ne crois toujours pas qu'elle soit partie comme tu l'as raconté. Elle n'était pas capable de te quitter, toi, son mari, sans rien te dire. En se cachant comme s'il avait honte. Elle avait trop besoin de s'expliquer, de se justifier. Elle n'a pas pu fuir ainsi, non. Pas elle. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas le croire. Alors, en somme, si je comprends bien, tu me traites de menteur. Yves. Je suis venu pour t'aider. Quand j'ai su que tu allais retourner à la châtaigneraie, j'ai pensé
que tu aurais besoin de quelqu'un à qui tu puisses parler. Quelqu'un en qui tu aies confiance, à qui tu pourrais dire la vérité. Je t'ai dit la vérité. Non, Yves. Non. J'en sais beaucoup plus que tu ne le crois. Ah, vraiment? Et quoi, par exemple? Quel temps a-t-il fait aujourd'hui? Il a fait mauvais, il a plu toute la journée, pourquoi? Ma voiture est devant le perron, tu l'as vu quand tu es venu m'ouvrir il y a un moment? Oui, et alors? Les vêtements sont trempés. Ce n'est pas en parcourant ces quelques mètres que j'ai pu être mouillé ainsi. Non, bah écoute, Daniel, tu joues au charade ou quoi? Il est 7h du soir. Oui. Je suis arrivé à la châtaignerie vers 4h. Toi? Alors, pourquoi tu n'as pas frappé tout de suite? Pourquoi as-tu attendu si longtemps? Parce que... Je ne sais pas. Brusquement, au moment où j'allais franchir la grille, j'ai eu un doute, une sorte de pressentiment. C'est ici que ta femme a disparu et depuis tu as fui cette maison. Tu n'y es pas revenu pendant 3 mois, alors qu'auparavant tu y passais tous tes week-ends. Je ne sais pas ce qui s'est passé, tout d'un coup j'ai eu peur, oui. Peur de ce que j'allais apprendre, de ce que j'allais découvrir. Alors je me suis arrêté au bord de la route, j'ai essayé de chasser cette impression. Je pensais qu'un peu d'air me ferait du bien. Je suis sorti de ma voiture, j'ai marché. Sous la pluie? Oui. Oui, sous la pluie. Je suis allé jusqu'à la ferme Joubès. J'ai pris le petit chemin à droite, vers le tennis. Continue, Daniel. Je me suis arrêté près du petit bois, là où elle avait fait un coude. Elle est plus basse qu'ailleurs à cet endroit. On voit la maison. Je regardais les fenêtres, la porte. Je n'arrivais pas à en détacher mes yeux. J'avais l'impression de te surveiller. Je me faisais honte, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Tu m'as vu? Quand tu es sorti vers 5h30, oui. Tu es venu vers moi d'abord, j'ai cru que tu m'avais aperçu. Mais tu as tourné avant d'arriver au vieux saule. Tu t'es dirigé vers la serre. Tu m'as suivi? Non. Je t'ai vu t'arrêter devant un des massifs de roses. Tu en as cueilli une. Tu es allé la déposer un peu plus loin, sur une sorte de petit monticule. Un tertre qui n'existait pas autrefois. Tu t'es agenouillé. Tu as baissé la tête. Un moment plus tard, tu t'es relevé et tu es revenu vers la maison. Tu y es allé, toi aussi? Ce n'était pas la peine. Je savais ce que je trouverais. Je ne le voulais pas. Je suis resté là au moins 1 heure. Et puis je suis retourné vers la route, j'ai repris ma voiture et je suis venu. En entrant par la grille, comme tout le monde. Comme si je ne savais rien. Non, non. De l'eau seulement. Mais pourquoi as-tu fait ça, Yves? Bon Dieu! Pourquoi? Je sais ce que tu imagines, Daniel, mais tu te trompes. Je te jure que tu te trompes. Mais enfin, je t'ai vu! Je t'ai vu, Yves, je t'ai vu. Tu ne vas pas continuer à prétendre... Non, sur ce point, tu as raison, elle n'est pas partie. Elle est morte. Morte? Alors c'est vrai? Oui, elle est morte. Non, c'est pas possible, non. Elle est morte et tu l'as... Comme une bête dont on se débarrasse. Non, Daniel, pas comme une bête. Comme l'être que j'ai le plus aimé au monde. Je crois que tu es devenu fou, Yves. Oui, fou. Comment as-tu osé, ici, dans le jardin? Dans le jardin, ou au fond d'un cimetière, quelle différence. Les cérémonies religieuses, les pierres tombales, nous n'y avons jamais beaucoup cru, ni l'un ni l'autre. Nous en avions souvent parlé.
Elle m'avait dit qu'elle aimerait être enterrée ici, à la châtaigneraie, le plus près possible de la maison des fleurs. Mais alors tu as exaucé son vœu, c'est ce que tu vas me dire, n'est-ce pas? Et tu vas peut-être aussi me dire que tu as fait cette chose abominable pour que rien ne vous sépare. Pas même la grille d'un cimetière. Pour la garder près de toi. Alors que tu n'es pas revenu à la châtaignerie depuis 3 mois. Tu me dégoûtes, Yves. Tu me dégoûtes. Oui, je te comprends. C'est de ma faute, j'aurais pas dû te mentir tout à l'heure, mais... La vérité est si difficile à dire. Même à moi? Oui, même à toi. J'en ai pas eu le courage. Et pourtant, je ne l'ai pas tué. Et pourquoi... Pourquoi tu laissais croire qu'elle était partie? Mais je pouvais pas faire autrement. Il fallait pas que l'on sache. Il fallait pas que l'on me pose de questions. Tu avais peur? Oui. Pour toi? Oui. Et pourquoi? On l'a... Oui. On l'a assassiné. Ah non. Ah non, pas ça, pas elle, tu n'as pas pu... C'est pas moi, je ne l'ai pas tué. Tu m'entends, Daniel? Je ne l'ai pas tué, pas moi. Qui alors? Mais je sais pas. Depuis 3 mois, j'essaie de deviner, je n'y arrive pas. Tu me crois pas? Je sais pas. Je voudrais te croire, mais... Après ce que j'ai vu... Non, vraiment, je ne sais plus. Avant de juger Daniel, essaie de me comprendre. Te comprendre? Oui, quand tu sauras ce qui s'est passé, je crois que tu pourras me comprendre. Dans sa chambre, là-haut, je l'y ai trouvée quand je suis arrivé ce fameux vendredi. Elle était allongée sur son lit et étranglée. Depuis 3 mois, il ne se passe pas une seconde sans que je ne la revoie. Elle avait les yeux ouverts, les mains étaient crispées. C'était atroce. Quand je suis resté là, près d'elle, à la regarder. Longtemps? Je sais pas. J'étais dans une sorte de brouillard. Tout s'est arrêté. Il n'y avait plus rien que cette chambre avec ma femme étendue sur le lit et moi debout à côté d'elle. Oui, ça a dû durer longtemps, très longtemps même. Parce que j'ai réalisé tout d'un coup qu'il faisait presque nuit. Alors je me suis approché d'elle, je lui ai touché la main et elle était froide. C'est à ce moment-là que j'ai compris, et vraiment compris, qu'elle était morte. Tu n'as rien fait, tu n'as pas téléphoné, tu n'as appelé personne. Qui? La police? Alors, j'ai voulu le faire, j'avais déjà décroché le téléphone quand, brusquement, j'ai réalisé ce qui allait se passer. Les policiers qui envahiraient la maison, les photographes, les journalistes, le scandale, et elle, on l'emmènerait pour lui faire Dieu sait quoi. Tu sais, j'ai assisté 2 fois à ce genre de choses. Je voulais pas qu'on... Puis... Et puis? Je te l'ai dit. Il y avait les questions que l'on me poserait. Tu sais, je suis bien placé pour savoir comment travaille la police. J'aurais fait un suspect de choix. Toi? Mais bien sûr. Nous étions sur le point de nous séparer. Moi, je n'avais mis personne au courant, mais elle... Elle l'avait probablement dit à l'une ou l'autre de ses amies. Les femmes entre elles parlent facilement de ces choses-là. Alors la police aurait fini par l'apprendre, comme elle aurait appris aussi que je l'aimais, que je tenais à elle par-dessus tout, et que je ne voulais pas la perdre. De là à déduire que je l'avais tuée pour qu'elle ne m'échappe pas. Tu n'aurais pas eu de mal à te disculper. On voit bien que tu n'as pas souvent affaire à ces gens-là. Ils vont au plus simple. À leurs yeux, j'avais une bonne raison de la tuer. J'étais resté près d'elle je ne sais combien de temps, sans prévenir personne, sans demander du secours, sans témoin, sans alibi... Il n'aurait pas cherché plus loin. On ne t'aurait pas arrêté comme ça, sans preuve. Oh non, ça en y aurait mis des formes. Je connais trop de monde au palais. Ils auraient attendu quelques jours. Le juge d'instruction m'aurait dit combien il était désolé de devoir m'inculper. Mais il aurait quand même fini par le faire. Alors, tu imagines la suite. Le scandale, ma carrière brisée. Et au bout de tout cela, qui sait, les assises. Et pas au banc de la défense, cette fois, ni de la partie civile, non. Dans le box. Enfin, c'est ridicule. Puisque ce n'est pas toi.
Les erreurs judiciaires, tu sais, ça n'existe pas que dans les romans. Oh, pour moi, remarque, ça n'avait pas grande importance. De toute façon, ma vie était finie, mais... Si je m'étais laissé arrêter, l'enquête en serait restée là. On n'aurait pas cherché le coupable, le vrai. Mais moi, je voulais le trouver. En prison, j'aurais rien pu faire. Alors, il fallait que je reste libre. J'ai réfléchi pendant des heures. J'ai cherché une solution, une autre solution, mais il n'y en avait pas. Ça me faisait horreur autant qu'à toi. Et pourtant, il le fallait. Alors, avant que le jour ne se lève, je suis sorti de la maison et je suis allé chercher des outils dans la cabane, près de la serre. Seul. J'avais pas le choix. Et moi, Yves? Toi? Oui, pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné? Je serais venu tout de suite. Oui, j'y ai pensé. Mais j'étais dans le pétrin, il n'y avait pas de raison que je t'y mette toi aussi. Absurde. C'est dans des moments pareils que l'on a besoin de ses amis. Ouais, on en aurait besoin, oui. Mais j'avais pas le droit de te compromettre. Non, Daniel, j'étais seul. Irrémédiablement seul. C'était... il y a 3 mois. Jour pour jour. Et depuis 3 mois? Depuis 3 mois, je joue la comédie du mari abandonné. Non, c'est pas facile tous les jours, crois-moi. Et je cherche, sans un instant de répit, j'essaie de comprendre. Tu as trouvé? Pas encore. Tu ne sais toujours pas qui... Non. J'ai cru, plusieurs fois. Ce n'était que des fausses pistes. Je n'ai découvert qu'une chose. Elle avait un amant. Yves! Oui, mon pauvre vieux. Elle avait un amant. Tais-toi! Ah, t'as voulu la vérité, tu l'as? Il faudra l'écouter jusqu'au bout, maintenant. Oui, cette épouse exemplaire, cette femme irréprochable me trompait depuis des années, probablement. Peut-être même depuis notre mariage. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Mais je ne le crois pas, je le sais. Oh, j'aurais dû m'en douter. Les lettres qu'elle ne voulait pas décacheter devant moi, les coups de téléphone auxquels elle répondait par monosyllabes, en prétendant ensuite que c'était Nicole qui l'appelait, ou Simone, ou Françoise. Ah, des noms de femmes, toujours. Des amis, affirmait-elle. Moi, je la croyais. Je voyais rien, je comprenais rien, je soupçonnais rien, j'étais aveugle. Qu'est-ce que tu veux, je l'aimais. Puis cette fameuse semaine qu'elle a passée ici pour réfléchir, disait-elle, pour être seule. Seule avec lui, oui. Car elle l'a fait venir ici, à la châtaignerie, chez moi. Comment le sais-tu? Des voisins l'ont vu, le jour même de sa mort. Le petit Jacques, le gamin des Joubès. Il essayait d'attraper des oiseaux dans la haie, il a vu un homme sortir de la maison. Elle lui tenait le bras. Ils sont allés vers le petit bois, ils riaient, ils se sont embrassés même, sans savoir qu'on les observait. Le gosse m'en a parlé avec un petit sourire ironique. Tout le village est persuadé qu'elle est partie avec ce type. Parce qu'ils ne savent pas qu'en réalité, il était venu pour la tuer. Tais-toi donc! Comment peux-tu dire des choses pareilles? J'ai trouvé des assiettes sales dans la cuisine. Ils ont déjeuné ensemble. Elle avait probablement l'intention de faire la vaisselle avant que je n'arrive, pour que je m'aperçoive de rien, mais il lui en a pas laissé le temps, ni de vider les cendriers. Il fumait des cigarettes anglaises, j'en ai trouvé un peu partout. Tu vois, j'ai fait ma petite enquête. Malheureusement, il y a des milliers d'hommes qui fument des cigarettes anglaises, à commencer par moi. Quant au signalement que m'a donné le petit Jacques, un homme plutôt grand, avec un costume clair et des chaussures bien cirées. Il n'a même pas remarqué s'il était brun ou blond, mais les chaussures qui brillaient au soleil, ça l'a frappé. Avec ça, je suis bien avancé. Mais je le retrouverai, Daniel, tu m'entends? Je le retrouverai. Et ce jour-là... Eh bien, que feras-tu ce jour-là? Je la vengerai. Je te jure que je la vengerai. Je me le demande.
Comment peux-tu en douter? Je me demande qui tu veux venger. Ta femme ou toi? Bon, ma femme ou moi, qu'est-ce que ça signifie? Je t'ai écouté, Yves. Attentivement. Ouais. Tu me fais peur. Tu es plein de haine, plein d'amertume. Pas parce qu'on a tué ta femme, non. Parce qu'elle te trompait, c'est ça que tu n'admets pas. Si tu te surveillais un peu moins, si tu te laissais aller à dire ce que tu penses vraiment, tu parlerais sans doute de la situation ridicule dans laquelle elle te mettait sans que tu le saches. Peut-être même de ton honneur. Assez ! Alors la voilà, ton amitié. Si c'est pour me dire ça que tu es venu, t'aurais aussi bien pu t'éviter le voyage. Moi, j'aurais mieux fait de me taire. J'ai confiance en toi, j'étais bien bête. Allez, va-t'en, Daniel. Ouais. Oh, excuse-moi, je sais plus ce que je dis. Quand je pense à tout ça, ça me fait mal, tu sais. Très mal. Daniel. Oui? Daniel, j'ai besoin de toi, il faut que tu m'aides. À quoi faire? À le retrouver. Qui? Son amant ou l'assassin? C'est la même chose. Certainement pas. Réfléchis, Yves. Même si c'est dur, tu dois regarder la vérité en face. Elle avait un amant. Elle l'aimait. Mais non! Mais... Oui, 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 t'as raison. C'est dur d'admettre la vérité. Mais bon, alors elle l'aimait, et alors? Lui aussi l'aimait. Pourquoi l'aurait-il tué? Je sais pas, peut-être parce qu'il en avait assez, qu'il voulait rompre. Si l'on devait tuer toutes les femmes que l'on veut quitter. Il y en a avec lesquelles c'est plus facile que d'autres. Mais c'était sûrement pas son cas. Elle avait trop d'orgueil pour accepter qu'un homme l'abandonne. Elle voulait certainement pas reconnaître que c'était fini, s'avouer vaincu. Elle était trop mauvaise joueuse pour cela, elle ne savait pas perdre. Quoi qu'elle t'ait fait, tu n'as pas le droit de parler d'elle comme ça. Pourquoi pas? C'était pas une sainte. Elle avait des défauts, comme tout le monde. Bien sûr, elle avait des défauts. Mais elle était incapable de commettre une bassesse. Elle m'a quand même trompé. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il te faut? On va continuer à vivre avec un mari dont on se moque? Lui jouer la comédie de la fidélité, c'est pas de la bassesse, hein? Pas forcément. Ah non? Tout dépend de ce qu'elle éprouvait pour toi. Que rien. Cela me semble évident. Vraiment? Pas moi. Je suis certain qu'elle t'aimait encore. Oh non. Moi, je t'affirme que non. Elle était beaucoup trop exclusive pour cela. Incapable d'aimer deux hommes en même temps. C'est différent. Pour toi, elle avait... Comment dire... De l'affection. Mm-hmm. Oui, beaucoup d'affection. Oui. Et pour l'autre? De l'amour. Ah, oh, t'es merveilleux, toi. Tu sais, j'admire l'autorité avec laquelle tu parles de ce genre de sentiments. Ah, pardonne-moi de te le dire, mon pauvre Daniel, mais je crois pas que tu y comprennes grand-chose. Pourquoi? Parce que je ne suis pas marié? Parce que tu n'es pas marié, entre autres, mais... De toute façon, c'est pas dans ta nature. Et tu prétends bien me connaître. Mais enfin, quoi, Daniel... Tu vas quand même pas essayer de me faire croire que toi, tu as été amoureux, non? Pas toi! Pourquoi pas? Ben, je l'aurais su. Tu crois toujours tout savoir. Non, ben voyons, regarde-moi, Daniel. Regarde-moi. C'est vrai? Oui. Tu as aimé une femme, toi? Oui. Oh, ça alors! Et tu me l'as pas dit? Je suis déçu. Qui est-ce? Tu la connais? Ça suffit, Yves. Ah non, 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 je veux savoir. Puis alors pourquoi tu ne l'as pas épousée? Elle veut pas? Je te répète que ça suffit. Ah, oui. Allez, je vois. Elle est mariée, alors. Tais-toi. Si tu ne te tais pas tout de suite, je m'en vais. Oh, mais qu'est-ce qui te prend? Daniel. C'est pas vrai, Daniel. Ah, Daniel, dis-moi que c'est pas vrai. Salaud! Espèce de salaud. Oh, calme-toi, Yves, ça ne sert à rien. Oh, non, 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 tu vas pas en plus me donner des leçons!
et tu te prétendais mon ami. Mais tu t'es bien foutu de moi, hein? J'ai beaucoup d'amitié pour toi. Oh, Dieu, ça va, c'est de si magré. Alors, ça durait depuis longtemps, votre petite histoire? Réponds quand je te parle! À quoi bon? Ben, vas-y, raconte. Pourquoi faire? Par curiosité. Après tout, j'ai le droit d'être curieux, non? Ça m'intéresse, moi aussi. Alors, j'écoute. Pourquoi veux-tu te faire du mal inutilement? Admettons que ça m'amuse. Quand tu me l'as présentée il y a 10 ans, elle était déjà ta maîtresse. Nous ne te l'avons jamais cachée. Et ça a continué? Non. Je te l'ai dit, c'est toi qu'elle a préféré. Je me suis incliné. Oui, alors pas longtemps, j'en suis sûr. Alors vous avez continué à vous rencontrer? Je ne la voyais que lorsque nous sortions ensemble tous les trois. Oui, trop souvent. Quand je pense que c'est moi qui t'invitais. On peut dire que j'ai bien joué mon rôle de mari complaisant. Parce que, bien entendu, dès que j'avais les talons tournés, elle courait te rejoindre. Non, Yves. Non. Enfin... pas au début. Pas au début. Pas au début. Je suppose que je dois te remercier de cette délicate attention. Oh, mais pourquoi le prends-tu sur ce ton, Yves? Ne te force pas à l'ironie, ça ne me trompe pas plus que toi. J'imagine assez bien ce que tu peux ressentir en ce moment. Épargne-moi ta philosophie, tu veux. Alors, la suite? Puisque tu y tiens, tant pis pour toi. Un jour, vous étiez mariés depuis un peu plus de 2 ans. Elle m'a téléphoné. Oui, elle voulait me voir. Sans toi. Je lui ai donné rendez-vous. Nous avons déjeuné ensemble, près de mon bureau. Elle m'a raconté tout ce qui n'allait pas entre vous. Il y avait beaucoup de choses. Elle aurait pu m'en parler. Elle a essayé. Plusieurs fois. Elle n'a pas compris. Ou tu n'as pas voulu comprendre. Toujours est-il qu'elle avait besoin de se confier, elle avait besoin que quelqu'un l'écoute. C'est à moi qu'elle a téléphoné, mais ça aurait pu être aussi bien n'importe laquelle de ses amies. Ben voyons, bien sûr. Enfin bref, elle est venue pleurer sur ton épaule et tu en as profité pour l'entraîner vers ton lit. Pourquoi faut-il absolument que tu salisses tout? Quoi, c'est pas ce qui s'est passé? Non. Pas avant plusieurs mois. Je lui ai d'abord expliqué que je ne pouvais rien pour elle. J'étais plus mal placé que quiconque pour intervenir dans votre vie privée, pour te donner des conseils. Ah ben, ça, en effet. Et après? Après quoi? Après cette conversation, ce déjeuner galant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pour moi, c'est important de savoir jusqu'où vous avez poussé l'hypocrisie. Tout, et avec les détails. Point où j'en suis. Quand est-elle devenue ta maîtresse? Enfin, redevenue ta maîtresse. Longtemps après. 6 mois, 1 an plus tard, je ne me souviens plus. Bien que je me suis douté de rien pendant des années. Ah, c'est beau la confiance. Vous devez bien vous amuser quand vous parliez de moi, hein? Nous ne parlions jamais de toi. Ah ben oui, ça bien sûr. Oui, je la tête. Vous aviez autre chose à faire pendant vos 5 à 7 que de vous occuper du mari. Tu n'es pas meilleur dans la vulgarité que dans l'ironie. D'ailleurs, j'ai tort. Oui, j'ai tort. Nous parlions souvent de toi. Chaque fois que nous cherchions une solution. Solution? Pourquoi une solution? Puisque tu tiens à tout savoir, je voulais qu'elle te quitte. Mais quelle idée? Quelle idée? À quoi ça vous aurait-il avancé? C'était très bien comme ça, non? Une femme qui prend pour amant le meilleur ami de son mari. Je voudrais pas te vexer, mais c'est banal, tu sais. Vous n'avez rien inventé. C'est une situation très classique. Alors qu'est-ce que tu voulais d'autre? Vivre comme tout le monde. Sans être obligé de nous cacher. Elle avait commis une erreur en t'épousant. Bon, c'était pas sa faute, ni la tienne. Vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, voilà tout. Ah oui, tandis que toi, tu... Tu me fais rire, mon pauvre Daniel. Alors c'était ça, son désir soudain de tranquillité, de solitude. Ah oui, évidemment, à 100 kilomètres de Paris, vous pouviez vous retrouver aussi souvent que vous en aviez envie. Je risquais pas de vous surprendre. Tu te trompes, Yves. Elle voulait vraiment être seule.
Il avait besoin de réfléchir. Ah oui? Et à quoi? Je te l'ai déjà dit, je ne supportais plus de vivre ainsi. Je ne voulais pas que nous continuions à devoir nous cacher, en tremblant à chaque instant. Elle méritait mieux que ça. Et il t'a fallu des années pour le comprendre. J'ai souvent hésité à lui demander de te quitter. Elle n'aurait pas accepté. Je crois que si. Et je savais que ce serait un coup terrible pour toi. Ah oui, et tu ne voulais pas me faire de peine. T'as toujours eu tant d'amitié pour moi. Si je te dis que c'est vrai, que c'est pour ça que je ne lui ai pas demandé plus tôt, tu ne me croiras pas. Mais si, je te croirais. L'excuse était trop belle pour que tu la laisses échapper. Notre amitié, notre merveilleuse amitié, quelle justification pour ne rien vouloir changer. La situation était tellement confortable. Une maîtresse que tu voyais de temps en temps, chaque fois que tu en avais envie. Un ami dont la porte était toujours ouverte. Mais je te connais, Daniel. Tu n'avais aucun désir de l'avoir me quitter. Ça t'aurait obligé à prendre des responsabilités. Et t'as jamais aimé ça, les responsabilités. C'est faux. J'ai attendu longtemps, en effet. Peut-être trop longtemps. Mais les derniers temps, je n'en pouvais plus. J'ai exigé qu'elle choisisse. C'est pour ça qu'elle s'est installée à la châtaigneraie. Pour être seule pendant quelques jours. Seule. Sans toi et sans moi. Pour essayer de voir clair en elle-même. Daniel. Pourquoi l'as-tu tuée? Je m'y attendais. Non, Yves. Non, ce n'est pas moi. Oh, non. Tu es venu ici le jour de sa mort. Dis pas le contraire, je sais que tu es venu. Le signalement du petit jouet se porte très précis, mais il correspond quand même assez bien. Tu es plutôt grand, tu portes souvent des costumes clairs, tu te fais un point d'honneur d'avoir toujours des chaussures impeccablement cirées. N'oublie pas les cigarettes, je fume des anglaises, moi aussi. Ah, bah tu avoues. Je n'avoue rien, imbécile. Je dis seulement que je suis venu à la châtaigneraie ce jour-là. Et la veille, n'est-ce pas? Et l'avant-veille, et tous les jours de la semaine. Non, non, non et non! Elle voulait être seule, j'ai respecté son désir. Alors pourquoi ce vendredi-là, justement? Et toi? Et toi, pourquoi as-tu quitté Paris tout de suite après le déjeuner au lieu d'attendre le soir? Pourquoi lui avais-tu téléphoné 3 fois le premier jour, hein? Eh bien, moi, c'était pareil. Je ne supportais plus l'attendre, de la sentir loin de moi. Il fallait que je la voie, que je lui parle. Tu as voulu l'obliger à te suivre? Elle a refusé, alors... Je n'avais ni le pouvoir, ni le désir de l'obliger à quoi que ce soit. Elle n'avait pas encore pris de décision. Tu devais arriver le soir, je voulais te parler. Je lui ai proposé de rester, après tout. Cette conversation, nous devions l'avoir tous les trois. Ça me concernait autant qu'elle et toi. Oui, mais tu n'as pas eu le courage de m'attendre. Elle n'a pas voulu. Elle tenait à devoir seule. Elle devait me téléphoner. Mais tu mens. Elle avait choisi. Elle refusait de me quitter. Elle refusait de te suivre. T'avais perdu, Daniel. Seulement ça, t'as pas voulu l'accepter. Plutôt que de reconnaître ta défaite, tu as préféré la tuer. Non, Yves. Alors tu l'as étranglée, toi, Daniel, de tes mains. Non, Yves, ça n'est pas moi. Ça n'est pas moi. Non, ce n'est pas toi. C'est vrai. Tu n'en aurais pas eu le courage. Eh bien, nous voilà revenus au point de départ. Alors, tu as déjeuné ici. Oui, bien sûr, les assiettes sales dans la cuisine. À quelle heure es-tu parti? Vers 3 heures. Bon, quand je suis arrivé, moi, à 7 heures, elle était morte. Donc quelqu'un est venu entre ton départ et mon arrivée. Tu y crois vraiment? Tu vois une autre explication? Eh ben, il faut nous rendre à l'évidence, mon pauvre Daniel. Il y en avait un autre. Tais-toi! Je t'interdis de dire ça. Ma parole, tu es jaloux. Bien sûr, je suis jaloux. Affreusement jaloux depuis des années. De toi. De tous les hommes qui l'approchaient. De toi, surtout. Toi, tu la voyais tous les jours. Chaque fois que tu en avais envie. Vous viviez sous le même toit. Vous dormiez dans la même chambre. Si tu savais ce que j'ai pu souffrir. Pas chaud. Je crois que je vais faire un peu de feu, hein.
Alors, vous alliez partir ensemble? Je ne sais pas. Vraiment, je ne le sais pas. Je l'espérais de toutes mes forces, mais... ça ne dépendait pas de moi, c'était à elle de décider. Ouais. Mais alors, le lendemain, enfin les jours suivants, tu ne t'es pas demandé pourquoi elle ne te téléphonait pas? Et quand j'ai laissé croire qu'elle était partie sans que je sache ni où ni avec qui, je l'ai cru. J'ai pensé qu'elle n'avait pas pu se décider, qu'elle n'avait pas eu le courage. J'ai pensé qu'elle nous avait fuis, tous les deux. Toi et moi. Je n'avais pas compris. C'est seulement tout à l'heure quand je t'ai vu dans le jardin sous la pluie. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu envie de tuer un homme. Toi et eux. Mon ami. Je voudrais te poser une question, Daniel. Aurait-elle été heureuse avec toi? Je le crois. Plus heureuse que... quand elle était ma femme? Je te fais encore mal, Yves. Nous nous aimions. Oui, elle aurait été heureuse. Ah, c'est drôle. J'arrive pas à t'en vouloir. Mon vieux Daniel. Si j'avais su que c'était toi. Tu ne l'aurais pas tué. Pourquoi dis-tu cela? Nous l'aimions trop tous les deux. Ce ne peut être que toi ou moi. Toi, Yves. Ah, tu sais, Daniel, je t'aime bien. Moi aussi, Yves. Je t'aimais beaucoup. Tu pourras jamais le prouver. Non. Je n'essaierai pas. Elle était assise là, dans ce fauteuil où tu es maintenant. Elle était belle. Dieu qu'elle était belle. Il y avait deux valises près de la porte. Elle était prête à partir. Si seulement elle avait dit que c'était avec toi, j'aurais peut-être... je sais pas, j'aurais peut-être... Mais non, elle n'a rien dit. Simplement, je m'en vais, Yves, pour toujours, pour toujours. Tu es le seul à pouvoir me comprendre, Daniel. Parce que tu l'aimais, toi aussi. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Non, Yves, tu n'y arriveras pas. Il n'y a pas de partage possible, c'est toi. Toi seul. Oui, c'est vrai. Mais essaie d'imaginer ce que ça a été pour moi. Essaie de me comprendre. Tu t'en vas? Oui, Yves. Je m'en vais. Tu vas me dénoncer? À quoi ça servirait-il? Je ne crois pas à la vengeance. Il vaut mieux la laisser là où elle est. Les autres l'oublieront. Attends. Ne me laisse pas seul. Même si je restais, tu serais seul.
dans le jardin sous la pluie. Ce film radiophonique d'Alain Franck avait pour interprète Jean-Claude Michel et Jacques Morel. L'anthologie du mystère vous était présentée par Pierre Billard.